Bonjour à tous, c'est Seritoken. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, non pas explosif pour une fois, mais plutôt décoratif, les passages secrets. Donc alors là, le système est simple. C'est un passage secret qui permet d'ouvrir une porte. Là, vous voyez, il n'y a pas de bouton. Donc là, le système, vous voyez, on va déposer un objet. Et ça ouvre la porte. Alors comment ça fonctionne? Alors c'est très simple. En fin de compte, ça fonctionne avec les tapis et un entonnoir. Donc là, vous voyez, l'entonnoir est vide. Quand on dépose un objet, l'entonnoir se remplit. Alors procédons maintenant à la construction. Nous voici maintenant à la partie construction. Alors, tout d'abord, il faut un petit peu terraformer, faire deux trous d'épaisseur, faire une petite épaisseur, pas plus grande que celle-là. Alors là, à partir de ceci, vous devez déterminer l'endroit où vous voulez déposer votre entonnoir. De cette manière, voilà, vous voulez superposer, détruisez. Le tout premier entonnoir, déposer un coffre, vous sélectionnez l'entonnoir, vous positionnez votre curseur le coffre, faites un clic droit, hop, voilà. Là, maintenant, tout objet qui sera déposé sur l'entonnoir atterrira dans le coffre. Pour l'instant, ça va. Ensuite, ce que vous faites, vous détruisez ici, vous déposez une torche. Vous reconstruisez. Voilà. Vous mettez un comparateur. Un répéteur. Hop, hop, hop. Mettez deux poutres de redstone. Répéteur au max. Répéteur au max. Une poudre. Et là, votre système est déjà presque prêt. À moitié près. Donc là vous faites votre système comme bon vous semble. Là, les pistons, par exemple, on va faire une demi-porte à piston. Hop, hop. Voilà. Et là, votre système va fonctionner. On va tester. Hop. Voyez, hop, ça fonctionne. Même en déposant la carpette par-dessus, enfin, le tapis. Voilà, ou la moquette, comme vous voulez. Et puis bah maintenant, voilà, c'est terminé. Alors pourquoi j'ai mis une torche en dessous? Eh bien, tout simplement, parce que si je ne mettais pas de torche, le système, le courant passerait trop vite. Regardez là. Ouais, là ça s'ouvre, ça se ferme. Donc la torche, ça permet de faire un courant similaire à un bouton. Comme vous savez, quand on appuie sur un bouton, ça fait ce petit délai de courant. Donc, voilà. Alors maintenant, vous pouvez reboucher votre système. Comme ceci. Et là, il ne faut pas poser de bloc parce que le souci c'est que si on dépose un objet, cet objet n'arrivera pas dans le coffre et le courant arrivera en continu. Je vous montre, hein. On va déposer un objet. Vous voyez, ça marche pas. Donc l'astuce pour pouvoir passer à travers ce petit souci, c'est de superposer non. Un tapis. Contrôle, sélectionner le coffre, hop, hop. Et là, votre système est prêt. Alors bien sûr, si vous avez beaucoup énormément, si vous passez énormément dans votre passage secret, je vous recommande d'utiliser un double coffre. Donc là voilà. Et voilà, votre système fonctionne.
Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Pensez à laisser un petit pouce vert. Puis ben, ciao, ciao! Trop génial.